C'est une catastrophe! Une catastrophe ce match! Une bouillie! Va falloir se réveiller là! Parce que mardi soir, s'il n'y a pas la qualification à 23h, le vélodrome il est en feu là! Il est en pétard! Dès le début de saison, en une semaine! Les recrues estivales, l'enflammade, moi le premier! L'objectif principal de la saison, en l'espace de 6 jours, on peut le perdre! On perd ce match, mais c'est 100 fois mérité, malgré l'arbitrage qui a été scandaleux. Hein. J'ai rarement vu ça. Chaque détail. Et il y a aussi des gros scandales, hein, comme la faute non sifflée sur ça en fin de première mi-temps. Arbitrage catastrophique. Mais le Panathinaikos mérite sa victoire. Il n'y a rien à dire. Ils ont été largement meilleurs que nous collectivement. On a été impuissants. Oui, on a un nouveau coach qui installe une nouvelle tactique en 4-4-2. On l'a bien vu. Avec des consignes qui ne sont pas toujours comprises. Une équipe de l'OM aussi à la rue, physiquement. On l'a vu dès la première demi-heure. Mais il y a du talent, il y a de la matière à faire beaucoup mieux. Sur le papier, on est dix fois meilleur que cette équipe. Si on passe pas, c'est un scandale, c'est un scandale. On n'en est pas là, heureusement. Il y a qu'un but d'écart. On joue chez nous au match retour. L'engagement aussi physique devrait être bien meilleur que ça. Il faudra plus de justesse technique dans les 20 derniers mètres. Et le stade va réveiller tout ça parce que si au bout d'un quart d'heure ça joue pas mardi, c'est le feu déjà. Il y a le feu, les gars. Ça va être à l'image de l'enflammade qu'on a eu pour le mercato là. C'est une honte, jamais vu ça sous Tudor l'an passé. Jamais j'ai vu un tel match, autant raté. Sauf le tout premier, et j'espère que ça va être le cas, contre le Milan AC, la, le test avant le début de saison. Et là, c'était au fils d'une première également. Ah non, ça va pas du tout. L'équipe euh, n'est pas prête du tout, que ce soit collectivement, physiquement. Il y a eu aussi des failles individuelles. Obama Young a été catastrophique. Je pense qu'il va réussir chez nous, qu'il va marquer 15-20 buts. Je ne me fais pas de, problème, de soucis pour lui. Mais il rate une grosse occasion en à mi-temps. Il rate toutes ses déviations. Il n'a pas de jus, il n'a pas de gaz devant. Du tout inspiré, et pas que par rapport à son raté de la tête. Hein. Ismail Assar fait une première mi-temps intéressante. Il a été remuant, dangereux, mais il y a eu aussi des conduites de balles en deuxième mi-temps très approximatives, des ballons perdus. Il a fait quelques éclairs balles au pied, dont en deuxième mi-temps où il alerte Ounaï et la frappe déviée de la tête. Une de nos deux seules occasions. On a eu que deux occasions dans le match. Aubameyang de la tête et la frappe d'Ounaï de loin. Grâce à un travail de NDI, mais il a aussi fait des mauvais choix, NDI. Hein. Perdu des ballons très précieux, même si lui je me fais aucun souci, il va monter en puissance. Unai à gauche n'a pas été ridicule, notamment après un mi-temps, mais on voit que c'est pas un vrai joueur de couloir. Il a perdu très peu de ballons, à part une ou deux fois, il a fait la différence, il a tenté de le faire. Vérit tout, ça a été mauvais, Vérit tout, une honte. Pourquoi il joue autant de temps, Marcelino Et toi, on va en parler aussi. Hein. Et il faut commencer à en parler dès maintenant. C'est pas un début de saison classique, là. C'est un début de saison avec une importance particulière, là. On ne doit pas se manquer là. Il met Mbemba sur le banc. Gendouzi sur le banc. Les deux ils jouent cinq minutes. On voit déjà ses choix forts. Hein. Il va se passer de ces deux mecs. Viritu doit être sorti à la pause ou à l'heure de jeu. Pour mi-temps, il n'apporte rien à part mettre des chandelles loin devant. Un rongi à la récupération dans l'équipe de l'équipe. Ça aurait été un choix opportun en début de match. Kondogbia, il faisait. Euh, il faisait un travail pour deux en à mi-temps. Pourtant, il avait mal commencé lui aussi. Hein. Et il est responsable sur le carton. Enfin, responsable. Encore une fois, c'est très sévère. Hein, mais il doit mieux se retenir sur la semelle en deuxième mi-temps, sur le deuxième jaune. Mais il est monté en puissance, qu'on doit bien en fin de première mi-temps. Lodi, oui, il a fait un bon centre enroulé sur Obama Mais défensivement, il a été parfois très en retard. Hein. En même temps, il a été livré à lui-même. Hein. Il avait les deux contraints à gérer. Klaus, ça a été pas trop mal, surtout en deuxième mi-temps. Les Lacs Central, Palerdi bah, a été un des meilleurs. Il a gagné beaucoup de duels. Et Gigo aussi nous a sauvé des ballons chauds en deuxième mi-temps. Donc vous voyez, quand je fais les évaluations individuelles, il n'y a pas tant de flop que ça. Mais c'est collectivement que l'équipe était à la rue ce soir. C'était une catastrophe. On a été à la ramasse. Franchement, c'est une honte. Parce que sur le papier, on est 100 fois meilleur que cette équipe. On dirait les Parisiens, là, avec Mbappé, Messi et Neymar qui ont chié sur, sur la Ligue 1 toute la saison dernière. On dirait eux. On dirait eux. Impuissant, alors qu'on a une meilleure équipe sur le papier que l'adversaire. Et on ne voit rien. C'est un premier match, mais c'est une saison particulière. On doit aller en Ligue des Champions. Et on le savait, le staff, Longoria, qu'on devait être prêt le 8 août. Et c'est un gros échec pour tout le monde. Alors ça va remobiliser les joueurs, certes qui sont les premiers conscients de la situation. On a des joueurs de talent. Il y a matière offensivement à faire beaucoup mieux. Mais ça a été une bouillie ce soir. Trois tirs au but, deux cadrés. Ou un cadré, pardon. Rien vu offensivement. Puis derrière, on a, pris, on a pris des vagues, on s'est fait transpercer. Il y avait Verbic, Mancini qui était trouvé entre les lignes facilement pour un mi temps. Ah non, je suis déçu de tout là, je suis déçu de tout. Satisfaction, il y a quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas de satisfaction. Et Marcellino, déjà, doit vite se remettre en question. Parce que c'est lui qui fait jouer l'équipe, c'est lui qui donne des consignes importantes, comme le fait de ne pas aller presser l'adversaire. C'était choix pour se projeter en attaque rapide, pour laisser le moins d'espace possible dans leur séquence de possession. Mais on voit un noël aussi qui a tendance à courir après le ballon. Et c'est frustrant en tant que supporter marseillais. Et pour les joueurs, il y a aussi une, une incompréhension parfois. On le voit. Donc il y a beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas le feu parce qu'on n'est pas éliminé. Mais c'est un gros coup de gueule qu'on va tous passer ce soir, la plupart. Parce que mardi, on ne doit pas se manquer. Et le résultat et le contenu est affligeant. Voilà, on n'a rien vu et on s'attendait à beaucoup mieux. On savait que l'équipe n'était pas prête, mais quand même, Panatinaiko, ce n'est pas un foutre de guerre. On n'a pas affronté Benfica, Porto, ou, euh, ou Naples, ou Francfort. C'est une équipe, euh, certes, qui est bien collectivement, qui se connaît parfaitement, mais largement à notre portée. Et ce soir, il n'y a pas eu photo. Il mérite de gagner ce match. Même si l'arbitrage a été scandaleux. Scandaleux, je ne m'éternise pas trop là-dessus parce que je suis en colère contre... Euh, je suis en colère et déçu à la fois. On verra si euh, mardi soir, il y, euh, une... y a intérêt qu'il y ait une révolte, mais surtout une qualification. Hein. Qu'il y ait une révolte, euh, encore heureux. On veut la qualification de mardi. Donc les joueurs ont qu'à assumer euh, dans un stade en fusion. Mais tu pourrais se retourner à 23h si on n'est pas qualifié. Hein. Voilà. Autant, eh, nous les premiers, on s'enflamme vite à Marseille. Hein. On s'enflamme vite, le peuple marseillais. On en fait beaucoup, on en fait des caisses, et vas-y, et patin, et coufin. Mais là... Franchement, si ça, si ça, vu la bouillie qu'on a vue, alors certains sont peut-être pas inquiets, je le comprends. Mais si ça se répète mardi ou très rapidement, là, ça va se retourner encore plus que ça s'est enflammé là. Eh, c'est tout ou rien Marseille, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de juste milieu. Comme dirait Deschamps quand il est venu chez nous lors de son passage d'entraîneur. Allez, je vous laisse. Je suis assez énervé, je suis assez remonté. Heureusement qu'on n'est pas éliminé, heureusement. Mais j'aime pas voir mon équipe jouer comme ça. J'aime pas l'OM voir l'OM avec un gros potentiel offensif qu'on a joué aussi mal, ne pas se trouver, ne avoir aucun lien. pas possible. Aubameyang qui a rien montré. Et pourtant, euh, il a eu des ballons à exploiter. Hein. puis Non, il n'y a personne qui est sorti du lot globalement. Je mettrais personne. Personne n'est sorti du lot, Marseille. Allez, tout le monde doit se remettre en question et se réveiller rapidement, là. Okay Parce qu'on a de quoi de passer une super saison. Il y a une superbe équipe. Mais ça passe par un mois d'août réussi que financièrement pour la santé du club, aller en Ligue des Champions, c'est capital. Longorel a fait un mercato aussi en ayant imaginé qu'on se qualifie en LDC, en ayant pris quelques risques par rapport à ça, j'en suis persuadé. Donc si on n'est pas en Ligue des Champions, bah, on va peut-être souffrir les prochains mercatos, à moins qu'on se requalifie en Ligue 1, en étant sur le podium, cette année, en étant dans les deux premiers, pardon, les trois premiers vont en Ligue des Champions, hein, je répète, cette année. Donc ça devrait laisser de l'espace. Et encore, vu ce qu'on a vu ce soir, on ne va pas s'enflammer, on en est loin de tout ça. Et si tu fais. Bon, je ne vais même pas parler de l'Europa League en parlant d'un gros parcours. On verra plus tard ce que va donner l'équipe. Mais gros avertissement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes aussi inquiet que moi, je pense que oui. On est très déçus. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir réagir dès samedi contre Reims à 17h au vélodrome. Prenez soin de vous et allez l'OM